Bonsoir à tous. Pluie, neige et giboulée. Voici donc le programme pour ces prochaines heures avec une dépression que l'on retrouve sur les îles britanniques et qui nous apporte cette perturbation qui va se décaler petit à petit vers l'est et à l'arrière et eh bien tous ces petits points blancs. C'est un temps très instable qui nous attend pour ces prochaines heures. Alors nous restons vigilants dans le centre-est où on attend de bonnes chutes de neige également sur l'Île-de-France avec le risque de neige attendu, notamment en banlieue parisienne. Alors nous allons retrouver dès demain matin la perturbation qui va se décaler vers l'est après nous avoir donné de bonnes chutes dans le centre-est, on retrouvera encore des chutes de neige sur les différents reliefs avec des averses orageuses attendues dans le sud-est. À l'arrière, un ciel de traîne très actif avec même des orages attendus dans le sud-ouest et dans l'après-midi, ces averses seront quasi généralisées avec pluie et neige mêlée attendues donc sur la façade est, des averses plus fréquentes dans le nord-est. Attention au risque d'avalanche de niveau 4 sur 5 sur les Alpes et on retrouvera un temps plus calme certes autour de la Méditerranée. Mais avec le vent qui va souffler jusqu'à 120 km heure, les températures du matin, il va faire froid, notamment sur la moitié nord. On descendra à 0 degrés à Amiens ou encore à Lille, 0 degrés également à Aurillac, jusqu'à 11 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, des valeurs 2 à 3 degrés au niveau national en dessous des moyennes de saison. 4 degrés, par exemple, à Aurillac, 7 degrés à Paris, 8 à Rennes, 10 degrés à Bordeaux, de la douceur encore autour de la Méditerranée où on attend donc jusqu'à 16 degrés vers la Corse. La suite, eh bien, dimanche, il fera encore de Nouveau très froid en matinée. Pluie et neige mêlées au programme. Des averses plus fréquentes du massif central jusqu'au nord-est, en remontant jusqu'au nord-Pas-de-Calais avec de la neige donc à très basse altitude. Des averses fréquentes également à l'arrière, temps plus calme autour de la Méditerranée, mais avec le vent qui va souffler jusqu'à 90 km/h. On verra également cette nouvelle perturbation qui sera dans un premier temps sur la Bretagne et qui va surtout onduler sur la façade ouest du pays. Et d'ailleurs, vous allez la retrouver pour la journée de lundi dans le sud Ouest. à l'arrière, on retrouvera encore ces pluies et neiges mêlées à très très basse altitude euh, sur le centre-est, le nord-est vers la Normandie. Tant plus calme à l'arrière entre la Bretagne ainsi que le golfe du Lion et les températures ne vont pas décoller, une moyenne de 7 degrés seulement sur le pays. Alors mardi, vous allez retrouver de nouveau euh, ces averses de pluies et neige mêlées dans le nord-est, en plus calme autour de la Méditerranée. Et vous allez voir l'arrivée d'une nouvelle perturbation beaucoup plus active qui va traverser euh, le pays pour la journée de mercredi. Elle va se heurter à de l'air froid. Donc, conséquence, on surveillera également un nouvel épisode neigeux. Et pour le week-end prochain, la douceur revient petit à petit sur le pays. Tout de suite, la météo des neiges. De retour, donc, pour votre météo des neiges avec le risque d'avalanche qui est de niveau 4 sur 5 sur les Alpes. Soyez prudents. On attend beaucoup de neige encore pour ces prochaines heures. Également quelques chutes de neige sur l'île de France. Regardez le ciel aujourd'hui. On a retrouvé un ciel relativement nuageux au cours de l'après-midi avec l'arrivée, donc, de cette nouvelle perturbation qui va nous apporter beaucoup de neige, notamment sur les Alpes du Nord où on attend une trentaine de centimètres pour ces prochaines heures. Donc, soyez très prudents sur tous les reliefs. On aura pluie et neige mêlée également sur les Pyrénées. Et de l'Ouest. Le risque d'avalanche est également de 3 sur 5. Donc, soyez très vigilants pour ces prochaines heures. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.